C'est comme un John Bossy, Tamara Bangali. C'est comme un Baï Boudou. C'est comme un Baï Boudou. On est pressé, on va aller, on va faire la vidéo rapidement. Ah, Bijou d'Afrique. Un instant. Ouais, Bijou d'Afrique. Mais toi, tu fais une vidéo, tu es sur le Babou. C'est toi qui m'as poussé. Tu n'es pas poussé à insulter le Babou. Hein. C'est toi qui m'as poussé, ça, c'est la technique militaire, gendarme. Bon, Bijou d'Afrique, moi, ici en direct. Il te rappelle après, hein. Ici en direct. Ça va, tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Ok. C'est comment Sandy Pelgourali. Tu as fini un nom, hein, Pelgourali. Bon. Il peut pas trois, il peut pas atteindre 50 personnes. 50 personnes rigolo. Tu es gars, on va faire 50. Aïe, même si j'ai dit, il a commencé, mais tiens. Oui, respecte ma parole, c'est un homme de conviction. Quand c'est 50, c'est 50. Mettez les 5 points de commencer. C'est comme Samuel Groubli, Idrissa Dibadri, Benito Ouattara, Touré Fatim Maïlin, Clavetia, bien arrivé,
Benzo Banzai. Brigitte Kassem. C'est comment? Fifi Poupa. Voilà. Cher Laurent Bonny. Voilà. Ils sont arrivés maintenant. Les 50 personnes que j'ai mis. C'est ce que je voulais. C'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour vous informer, c'est tout. Bonjour les frères. Bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Dessin animé. Vidéoman. Politologue. Tout cela, c'est pour moi. Voilà, ils ont fait mon dessin animé. Donc, il fait comme tout ça, c'est pour moi. C'est mes postes qui sont là. Voilà. Lui qui est fâché, on fait rien ça. Si tu veux être politologue, va faire vidéo, tu dis que tu es politologue. Voilà. Je suis devant vous par le biais de ce direct pour parler d'une situation que le gouvernement de Côte d'Ivoire veut mettre en place, à savoir les propriétaires de maisons, c'est-à-dire des gens qui ont des maisons, au lieu qu'ils perçoivent la caution de leurs locataires, cette caution ira chez le gouvernement. On ne sait pour quelle raison. Le gouvernement n'a pas construit une maison, c'est eux qui veulent s'accaparer caution des gens. Mais après, moi, après mettre réflexion, bon, c'est une vidéo, c'est comme une dissertation, comme je l'ai dit autrefois. Il y a le côté positif et il y a le côté négatif. Voilà, nous sommes les opposants, on doit toujours critiquer. Voilà, même si l'État fait goudron, on dit, c'est pas bon goudron, c'est goudron à caoutchouc. Si on construit le terrain, on dit, ça c'est pas bon terrain, il n'y a pas bon gazon. Donc nous, c'est dans notre posture d'opposition, on critique seulement. Voilà, quand tu es opposant, le nom l'indique, on dit opposant. Tu t'opposes à tout, même si c'est bien ou toi tu dis c'est pas bon. Voilà. Donc par rapport à la caution que le gouvernement veut s'accaparer, moi j'ai essayé de cogiter un peu dessus. Et après, bon, j'ai vu, selon mon analyse, c'est comme un devoir de dissertation. Selon mon analyse, j'ai dit, mais le gouvernement n'a pas tort. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut protéger soit les plus démunis. Voilà. Le gouvernement veut protéger soit les plus démunis. Les gens me diront, de quoi parle l'auteur? Voilà. Nul n'est censé ignorer que à Abidjan, lorsque tu veux louer une maison, si tu n'as pas un an de caution, tu ne peux pas avoir une maison pour dormir. Bon, on prend l'exemple d'un gars qui travaille à la CIE. Il doit louer soit entre coucher ou bien chambre salon qui coûte 50 000. Lui, le pays commun, le pays peut-être 170 000, 200 000. On lui dit, pour avoir cette maison, chambre salon, il faut donner un an de caution. Bon, un an de caution, ça fait combien? Ça fait au moins 500 000. Ça, non? 500 000. Parce que si c'est 100 000, ça fera 1 200 000. Voilà. Donc, si c'est le loyer coûte 50 000, donc, ça fera au moins 600 000 de caution. Mais lui, il vend les 600 000 là où? Voilà. Donc, c'était des faits qui étaient récurrents. Donc, face à ce constat, moi, c'est selon mon analyse, hein. Face à ce constat, l'État a dit, bon, pas de problème. Comme vous, les locataires, vous les propriétaires de loyer, vous voulez vous diriger en banque, voilà. Raison pour laquelle vous exigez des cautions exorbitantes. Donc, ce qu'on fait, les cautions que vous réclamez, qui sont exorbitantes, ce n'est pas vous qui allez percevoir ça, c'est nous, l'État, qui allons percevoir ça. Voilà. Parce que le fait de venir louer une maison et je donne une caution de 1 million ou bien de 1 500 000 au propriétaire, mais c'est un peu déplacé parce que le propriétaire n'est pas une banque. Le propriétaire n'est pas une banque. Bon, qu'est-ce pour que ton argent sera garanti avec le propriétaire? Voilà. Qu'est-ce pour que ta caution que tu donnes au propriétaire là, qu'est-ce pour que ça sera garanti si tu quittes la maison? Voilà. Donc, on va donner des exemples, hein, parce que moi, avant de venir faire des vidéos, je ne viens pas parler comme un mouton, comme un béni ou une. Non, moi, j'analyse, j'ai réfléchi et je donne des suggestions. Voilà, pour qu'on puisse ensemble trouver une solution. Voilà. Donc, comme je l'ai dit au début, le titre de la vidéo, il dit caution de loyer à Abidjan. Est-ce une manière à l'État de protéger les plus démunis
ou bien c'est une arnaque de l'État. Voilà. Donc c'est comme une dissertation. Voilà. Dans le premier volet, moi, selon moi, je pense que l'État a raison. Pourquoi l'État a raison? Parce que ça va permettre aussi aux gens qui ont des maisons de diminuer leur histoire de caution qu'ils évaluent à 6 mois, à 1 an. Parce que si vous voulez aider les Ivoiriens, mais ce n'est pas la peine de mettre la caution du loyer à 2 ans ou bien à 1 an. Tu veux louer une maison, tu te dis non, il faut payer 3 mois d'avance plus 1 an de caution. Mais ce gars-là, il va avoir 1 an de caution là où ça? Il travaille à la CIE, il touche 120 000. Tu lui demandes 1 million de caution, lui va avoir ça où ça? Il va avoir ça où ça? Il y a d'autres propriétaires qui exigent 2 ans de caution. Mais les gens vont avoir où ça? Là, vous poussez des gens qui travaillent, vous poussez des gens qui travaillent à dormir dans la rue. Parce que moi, je travaille 7, j'ai un salaire de 200 000. Je vais avoir une maison de 70 000. Bon, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'argent dans mon compte. J'ai que 500 000 dans mon compte. Voilà, pour assurer soit mon petit lendemain, mon petit futur à mes enfants en cas de soit en cas de maladie pour m'occuper des enfants. Je veux prendre une maison. Toi, tu me dis non, d'envoyer 1 400 000 de caution. Les gens vont ça ou ça? Donc, moi, je pense que c'est face à ce constat que l'État a dit bon, comme les propriétaires de maisons baissent les arnaqueurs, bon, nous, on va prendre l'engagement de garder ces cautions-là par devant nous. Voilà. Or, le gars qui a construit une maison, lui, il voit ça en foutaise. Pourquoi l'État n'a pas construit une maison et l'État veut s'accaparer eux, agents de caution? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser aux propriétaires de loyer à diminuer leur caution. Soit si c'était 1 an de caution, ils vont faire ça à 2 mois. C'est parce que l'argent est beaucoup que l'État a ses yeux dessus. C'est parce que l'argent est beaucoup que l'État a ses yeux dessus. Si la caution était estimée qu'à 2 mois, l'État n'a rien à foutre avec ça. Voilà. Mais comme vous voulez donner 2 ans de caution aux locataires, mais l'État voit que ouais, c'est une somme exorbitante que vos locataires vont verser. Bon, vous n'êtes pas banque. Pourquoi vous pouvez garder 2 millions de quelqu'un? C'est que vous n'êtes pas la banque. Donc, c'est en ce sens que l'État dit, bon, après les problèmes. Comme les locataires, eux, ils veulent se jouer en, je ne sais pas, comme les propriétaires de maisons, ils veulent se constituer en banque. Mais nous, l'État, on va prendre l'engagement de garder ces cautions par devant nous. Là, au moins, avec nous, c'est garanti. Voilà, sinon, en temps normal, l'argent des cautions doit être garanti avec l'État. Mais comme ça, c'est un État de visa, là, il peut mettre brasse ton argent. Après, on le connaît. Il peut mettre brasse ton argent. Sinon, dans la logique, c'est normal. Voilà. Avec ton argent, avec l'État, bénéficie d'une garantie. Voilà. Donc, comme ça, il a réfléchi. Il dit, oui, ça, c'est une solution. Voilà, c'est une solution adéquate pour un État qui s'est dit sur lui. Voilà. Si les cautions sont exorbitantes, ce n'est pas au propriétaire de gagner notre argent. Moi, imagine, le propriétaire a construit une maison de au moins 10 habitations ou bien 20 habitations. Imagine, nous tous, on donne 2 millions de cautions. Mais le cas là, le propriétaire lui met là où ça? Il n'est pas banque. Lui, pourquoi il garde notre argent? Pourquoi lui garde notre argent? Pourquoi? Maintenant, je vais vous donner un exemple où l'État a raison. Le gars, il a construit sa maison. On voit bien ici, hein, en Côte d'Ivoire. Voilà, les gens construisent leurs fausses maisons, les maisons Shintok. Pendant la saison des pluies, on voit les maisons qui s'écoulent. Bon, nous, les vieux habitants du propriétaire, là, nous, on a donné 2 millions comme caution pour habiter dans sa maison. Il y a un événement calamiteux qui se produit. C'est-à-dire, il y a une pluie diluvienne qui s'abat sur Abidjan. La maison s'écoule. La maison du propriétaire, c'est cool. Lui, il fait comment pour nous rembourser notre argent? Il va trouver un alibi fallacieux. Non, votre argent que je vous ai donné là, la maison que j'ai construite là, avec mon bureau, il est laissé là-bas, la maison s'est écoulée, tout est parti avec. C'est ce qu'il va dire. Et vous avez dit quoi? C'est votre argent, est mort cadeau. Votre argent de caution que vous devez avoir pour chercher une autre maison, est mort cadeau. C'est ce qu'il va dire. Il a connu sa maison, lui ne s'est ignoré que les gens qui construisent des maisons là. Dans les habitations là, ils ont eux-mêmes les petits bureaux. Quand il va trouver, il va dire non, même si tu n'as pas mis ça là-bas, mais c'est ce qui va vous faire croire pour pouvoir vous arnaquer. Il va dire non, votre temps de caution, vu que ma maison, il y a un bureau là-bas, j'ai mis ça pour avoir tout l'argent en permanence au cas où un locataire veut quitter ma maison. Là, l'argent serait accessible. Bon, vous avez vu, il y a une inondation, la maison s'est écoulée, l'argent,
C'est comme un bijou d'Afrique. Kimball 13, tout ça c'est bijou d'Afrique. Voilà. L'argent est resté dans la maison, ça s'est écroulé. Bon, si lui vous dit ça, il vous dit ça, vous allez faire quoi? Vous allez porter plainte contre lui. Ça va pas aboutir. Il va dire, mais les gars, il vous a dit, l'argent était dans son bureau de la maison, ça s'est écroulé. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il vous rembourse comment? Même si il a vous remboursé, il ne pourra jamais vous rembourser. Donc, moi je pense que dans ce sens-là, l'État a raison. C'est pour éviter que les propriétaires de maison donnent des cautions exorbitantes. Par exemple, si je donne des cautions exorbitantes, l'État va dire, bon, avec toi, ce n'est pas garanti. Avec toi, l'un de tes locataires n'est pas garanti. C'est mieux que vous envoyez ça chez l'État. Le cas contraire, si tu ne veux pas envoyer l'un de la caution exorbitante chez l'État, c'est mieux de faire à un mois d'avance, un mois de caution, ou bien un mois d'avance, deux mois de caution. Mais au-delà de six mois de caution, nous, l'État, on va mettre la main dessus. Voilà. Nous, l'État, on va mettre la main dessus. Dans le cas contraire, c'est mieux. Lorsque vous voulez proposer vos services à des futurs locataires, soit c'est un mois d'avance ou même deux mois de caution. Mais c'est parce que les prix de caution étaient exorbitants, raison pour laquelle l'État a dit bon, c'est quel. Allô? Ouais, ouais. Ils sont en direct là. Ah, mais c'est mon boulot, comment? Mais t'as un faux portable. Ok. Ok. Là, c'est Bijou d'Afrique. Là, ici, champion, Cannibal. C'est même chose. Bijou d'Afrique, Cannibal, c'est même chose. Voilà, tout ça, c'est le SLPG qui gagne. Big up au SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà, c'est le peuple qui doit gagner. Moi, c'est un gars du peuple. Je me reconnais au SLPG parce que c'est le peuple. Voilà. Donc, je disais, je pense que si l'État a pris cette décision, soit c'est pour pouvoir contraindre les propriétaires de maisons à diminuer leur coût de caution afin de permettre à tout le monde d'avoir accès à des maisons à Abidjan. Voilà, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à des maisons à Abidjan, vu que le coût de caution est exorbitant. Tu ne peux pas aller dans un petit coin à Abidjan où tu vas avoir, on dit caution 2 mois, ou bien 1 mois d'avance, ça n'existe pas. À Abidjan, caution commence par 6 mois. Caution commence par 6 mois, pas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, caution commence par 6 mois. Si tu n'as pas 1 an de caution, tu peux avoir maison. Mais anciennement là, c'est vous qui nous poussez à être SDF. On travaille, mais on est SDF parce qu'on ne peut pas avoir une maison, on ne peut pas avoir accès à une maison parce que les propriétaires de maison, comme c'est eux qui ont construit une maison, on ne peut pas construire une maison. Eux, ils nous poussent à vouloir faire ce qu'on ne peut pas faire. Mais moi, je dois louer une maison. On me dit, 1 an de construction, ça fait 1 million. Mais moi, j'ai 1 million 200 000. J'y fais comment? Je sais ma famille. Je ne vais pas laisser ma famille dans la rue. Les 1 million, je donne aux locataires, aux propriétaires des maisons. Voilà, moi, j'ai 200 000. Mais est-ce que ça pourra me suffire pour aider ma famille? Voilà. Est-ce que ça pourra m'aider pour nourrir ma famille? Donc moi, je pense que dans ce sens-là, l'État a raison. Voilà, selon moi, voilà, selon mon analyse, l'État a raison. C'est pour pouvoir protéger les plus démunis de propriétaires de maison. Voilà, parce que eux, je ne sais pas où ils ont, c'est dans quelle législation ils ont vu que quand tu dois louer une maison, il faut donner 6 mois de caution. Non, j'ai même vu ça. 6 mois. Et l'ironie du sort, quand tu vois qu'ils sont en train de construire leur maison, on dit c'est R+5. Mais tu vois que c'est rien de chaussée qui est là. Rien de chaussée est fini. Au moins, c'est 10 appartements. Ils vous exigent 2 millions de caution. 2 millions là. Quand chacun paye les 2 millions, ça fait combien? Ça fait 20 millions. Devant vous, comme ça, il envoie, il prend votre argent et il commence à finir au-dessus. Mais ça, c'est pas normal. Ça c'est une foutaise. C'est pas une autre de caution. Tu vas prendre pour construire ta maison. Jamais. La maison doit être finie. Et puis on vient, on loue. Mais toi, tu finis pas ta maison avec notre de caution. Voilà. Et bon nombre des propriétaires de maison font ça. Ça, on ne doit pas le faire. Voilà. Donc l'État a vu en cela une arnaque. C'est une vraie arnaque.
Moi, j'avais venu louer une maison, tu me dis, bon, deux mois, deux ans de caution. Je me dis, ok, accepte deux ans de caution. En plus, c'est quoi? C'est L plus 5. C'est pas, t'as un peu qu'on fait L plus 2, on aurait des chaussées. Mais 2 millions de caution, toi, tu prends pour finir ta maison. Comme si Seigneur, on allait construire ta maison. Ou bien, les gars. Donc, moi, je pense que l'État veut protéger les plus démunis afin de pouvoir avoir accès au logement facilement. Voilà, sinon, habiter pour la maison, c'est dur. Abidjan pour avoir maison c'est dur. Voilà. Si tu n'as pas un an de caution, tu ne peux pas avoir maison. Donne-nous un droit à la CIE, on fait comment? Donne-nous pas le droit d'avoir maison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 6 mois de caution. On n'a pas un an de caution. On n'a pas 6 mois de caution. On n'a pas un an de caution. Voilà. Donc moi, sur ce volet, je suis d'avis avec l'État. Voilà. Eux ils ont dit caution n'a pas développé. Parce que moi, eux, là, ils ne sont pas intelligents. Voilà, les gouvernements ne sont pas utilisés. Ils ont dit non, caution, ils n'ont pas développé. C'est moi qui suis en train de donner les idées. Voilà, sinon, les connaît, là, c'est les biens qui n'ont pas développé. Mais c'est moi qui suis en train de donner les idées. Ils sont en train de mettre l'idée dans leur bouche. Et tu vas voir, ils vont faire confiance pour dire ouais, voilà ce qu'on veut faire ça à travers la caution, c'est pour vous protéger parce qu'on constate que souvent à Abidjan, les maisons se coulent. Ok, quand c'est cool, quand vous demandez vos cautions, les propriétaires des maisons ne sont pas en mesure de vous rembourser vos cautions parce que. Ils vont estimer que l'argent que vous leur avez remis, ils ont mis ça dans les bureaux de leur appartement. Et lorsque l'immeuble se coulait, l'immeuble a servi l'argent. Voilà. Ça, c'est un alibi, ça. Un alibi fallacieux qui ne tient pas la route. Voilà. Maintenant, comme ils ont un peu d'argent, tu as tenté un procès contre eux en justice. Il va aller au colombe, le juge va dire, mais monsieur, ah, voilà, c'est un. Hein. Il dit sa maison là. C'était son bureau. Il gardait là-bas. Votre argent, c'est censé venir. Vous avez dit quoi? C'est tout votre argent, au moins 40 habitants là, lui il a pris vos 2 millions, tout ça c'est mort. Son immeuble s'est écoulé d'abord, il vous a rendu sans abri et il n'est pas en mesure de vous donner votre argent pour aller prendre d'autres maisons. Parce qu'il va dire non, que ouais, l'argent que vous avez remis, c'est dans son bureau, dans sa maison et la maison s'est écoulée. Donc l'État a jugé bon de dire bon, comme vous les locataires, c'est pas l'État qui dit ça, c'est moi qui dis, c'est ma manière de réfléchir. Comme vous les locataires, vous voulez vous constituer en banque, nous on va prendre la décision de pouvoir garder les cautions des gens là. Parce qu'avec nous l'État, c'est garanti. Avec nous l'État, c'est garanti. Voilà. Donc les cautions de vos locataires là, si c'est des sommes exorbitantes, ça va passer par nous dorénavant. Parce que par vous, ce n'est pas une garantie. On peut vous voler, on peut vous braquer. Et vous allez balancer vos locataires sur peut-être que non, on vous a volé. Mais nous, avec nous l'État, c'est garanti. Voilà. Moi, je pense que c'est dans cette optique-là, l'État veut faire évoluer les choses. Mais eux, comme c'est des brigands, ils ne sont pas venus expliquer. Ils sont venus dire non, dorénavant, caution des loyers doit passer par nous. Mais comme nous sommes les penseurs, nous sommes les politologues, voilà. On a pensé comme ça. Voilà. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, le côté négatif. L'État met ses foutaises même. Vous voyez? Oui, l'État a donné de foutaises même. Pourquoi l'État a foutaise? Mais on dit l'État c'est nous, c'est vous. Mais l'État a tout le budget du pays. L'État là, c'est vous qui vendez nos pétrole. Voilà. Pétrole là. Comment est-ce que vous redistribuez les richesses du pays sur les plus pauvres? Ça n'existe pas. Oh là, le jour voudrait que quand vous vendez le pétrole de notre pays là, quand vous vendez le gaz de notre pays là, quand vous vendez les bois de nos forêts là, vous devez redistribuer les richesses du pays sur les plus démunis. C'est-à-dire, voilà. On doit élever le social en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si un gars n'a pas l'âge de consultation, il peut aller se soigner à la PMI. Il s'en va, on le consulte gratuitement. Il a droit soit à avoir un forfait de médicaments de 15 000. Passer les 15 000, c'est lui qui paye. Là, on sait que l'État fait du social. L'État fait du social à cause de nos gaz qu'ils vendent. De nos pétroles qu'ils vendent. Donc, c'est une manière de redistribuer les richesses du pays si les plus démunis. C'est ce qu'on fait en Europe. En Europe, ici, on dit le social là. Où ils enlèvent l'argent? Où ils enlèvent l'argent? C'est pas grâce à la cotation ni les impôts. C'est les richesses du pays qu'on redistribue. Les richesses du pays qu'on redistribue sur les populations. Voilà, mais nous, en Côte d'Ivoire, on dit on est pays riche, pays producteur de café, cacao, on a gaz, on a manganèse, on a fer. Mais tout ça, on exporte. Mais l'argent là, ça va où? On me dira que non, on peut me construire le goudron.
Vous demandez ce que vous prenez crédit. On me dira que non, tant. C'est impôt, non, on paye impôt. Même les locataires, les propriétaires de maisons, ils payent impôt, ils payent taxes d'habitation de leur maison. Voilà. Donc, les richesses du pays là, à qui ça profite? À qui ça profite? Dans l'État, vous avez assez d'argent pour construire des logements sociaux. Si vous estimez que l'argent de la caution brille dans vos yeux, après là, c'est bien, ça brille dans vos yeux que vous voulez vous accaparer l'argent de la caution des gens. Mais soit vous n'êtes pas construit, vous voulez prendre caution. Si vous estimez que l'argent de la caution, ça brille dans vos yeux, rien ne vous empêche de construire des logements sociaux. Alors, Amir, il a publié des logements sociaux d'un pays, là, tiens, voilà. Angola, Rwanda, mon lieu, c'est la toute publication, pour chercher, c'est traduit. Karamoko, Dramwa. Ah, il y a vu ça sur son mur, là. Il y a vu ça sur son mur. Hannibal, dis-moi mon numéro. Hannibal, j'ai mon numéro. Ça va. Voilà, logement social. Voilà. Ah, c'est les logements sociaux, hein. Ça, c'est pas en Angola. Angola. Logements sociaux. Au Rwanda. Voyez ça. Logements sociaux. Ça, c'est les logements sociaux dans d'autres pays. Voyez ça. Logements sociaux. Voilà. Logements sociaux. Oh putain. Allez, Fana, c'est cassé. Voyez ça. Ça, c'est les logements sociaux. Voyez ça qu'elle a. Voilà. Logements sociaux. Ça, c'est des logements sociaux que l'État du Burundi ou bien de l'Angola a construit, qui vont livrer à la population. Et ça. Logements sociaux. Voilà. Voyez ça. Logements sociaux. Ça, c'est des logements sociaux. Voilà. Voyez ça ici. Logements sociaux. Voilà. Logements sociaux. Ça, c'est ça. Voilà. Logements sociaux. Voilà. DJ Kikinet. Voilà. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire, vous estimez que l'agent des cautions rapporte des faramineuses sommes, c'est mieux de construire des logements sociaux. Là, vous allez vous accaparer de l'agent des locataires, leurs cautions, qui vous fait rêver. Parce que c'est peut-être ça vous fait rêver que vous voulez même dans. Si caution des maisons que vous n'avez pas construites. Donc il serait judicieux pour vous de construire des logements sociaux. Voilà. On dit l'État a construit des logements sociaux, l'État veut 3 mois de caution. La caution n'a pas payé ça à DJ Jonathan. La caution n'a pas payé ça à Mira Blindé. Ni à Bu d'Afrique. Mais la caution va revenir à l'État. Voilà. L'État qui est sous des garanties. Voilà. Donc si vous voulez vous accaparer les cautions des gens, c'est mieux de construire des logements sociaux. Voilà. Là, ça y va de votre droit. Mais déjà, construire des maisons, parce que vous êtes l'État, vous venez, non, l'État doit s'accaparer les cautions. Par rapport à quoi? En vertu de quoi? En vertu de quoi vous voulez vous accaparer les cautions des maisons que vous n'avez pas construites? En vertu de quoi? Parce que vous êtes l'État. Non, ça, c'est pas normal. Le gars qui a construit sa maison là, il a payé son terrain. En plus de payer son terrain là, il paye des impôts. Voilà. Il paye des taxes d'habitation. Chaque jour, il paye ça. Mais pourquoi encore vous voulez avoir accès à ces cautions? C'est pas vous qui construisez sa maison. C'est pas vous qui construisez sa maison. Dans l'État, si vous aimez tant les cautions des gens, il serait judicieux. C'est comment il a hypo. En tout cas, j'ai vu un commentaire, un gars qui parle de quoi ici là. Il dit que je t'aurais répondu si tu ne te contentais d'avancer des arguments, mais je ne réponds pas aux insultes. Bon, c'est pas moi, il parle à ça. À ses détracteurs, il va y parler à ses détracteurs. Et laissez-moi voir, il va y pour, hein. Alors, appelez-moi, il va y pour sur la coalition. Donc, lui qui a baisé les ici, lui a maintenu. Lui qui a mouru la claque, il va y pour la claque aussi. Voilà, moi, c'est conseil. Voilà, moi, quand tu es mon ami, voilà, tes problèmes sont mes problèmes aussi. Tu viens me louer, il attaque aussi. Il va y pour. Ce qu'il se passe, dis-moi, il est dans le combat aussi. Voilà, moi, j'aime ça. Voilà. Dans l'État de Côte d'Ivoire, à Foutesse, ils n'ont pas construit une maison, c'est eux qui veulent loyer des gens. Ils veulent caution des gens.
Maintenant, vous, les propriétaires de maisons, vous vous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des cons, quoi. Vous pensez qu'on est des milliardaires? Nous, on cherche une maison qui a payé un an de caution. On vous dit 2 millions, vous voulez construire, vous voulez construire, vous voulez prendre le temps pour construire une maison. Vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. État, vous êtes des bas bien même. Propriétaires de maisons, vous êtes des maudits. Voilà, vous deux, vous êtes des maudits même. Donc, en tout cas, État de Côte d'Ivoire, propriétaires de maisons, trouvez une solution. Voilà, les Ivoiriens sont fatigués. Nous, on ne peut plus payer caution 6 mois. Voilà. Nous, là, on veut caution de 2 mois. 1 mois d'avance, 2 mois de caution. Si la maison, elles sont en 10 000, on sait que si on veut aller louer une maison, on peut payer 210 000. On a 500 000. Les 240 000, là, nous, on va gérer ça avec nos familles. Notre temps de popote. Voilà. Sinon, les cautions de 10 ouais, cautions de 6 mois caution, 1 an caution, ça doit plus exister. Voilà. Ça doit plus exister. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas comprendre ça. Et puis, ce phénomène-là, comment c'est arrivé en Côte d'Ivoire? Je vous explique. Parce que ça a une histoire. Comment c'est arrivé en Côte d'Ivoire? Cet effet de 10 cautions, 1 an là. Au fait, ça tire sa source, je ne sais pas dans quelle année, dans les années 90, à Makori. Voilà. À Makori, il y avait une bande de brouteurs en Ango qui vivaient là-bas. Voilà. À Makori, je ne sais pas, résidentiel, bien quoi, Makori, le quartier d'en haut, là. Voilà. La bande de brouteurs nigériens, là. Et là, quand ils viennent prendre ta maison, ils payent pour 2 ans en même temps. Ils payent pour 2 ans. Ils viennent payer pour 2 ans. Donc les gens disent, ah, même ceux qui payent maintenant 2 ans. Donc, mais s'ils payent maintenant 2 ans, c'est que nous là, on va exiger 2 ans. On a poursuivi, nous mettre dans le confort. Donc c'est comme ça, cette histoire de caution, 1 an de caution, 6 ans de caution a pris forme. C'est à cause des brouteurs nigériens. Voilà, c'est eux qui ont envoyé ça. Et ils prennent ta maison, ils payent pour 2 ans. Ils ont commencé à prendre maintenant les gens, ils payent pour 2 ans. Ils payent pour 2 ans, on ne les voit pas, ils ont disparu, ils sont dans la nature. Mais ils payent maintenant 2 ans. Donc les gens disent, bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est Makori, c'est quartier résidentiel. Donc nous aussi, si tu n'es pas nigérien ou tu n'es pas brouté, mais c'est que si tu veux prendre maison, il faut des cautions 6 ans, ou même 6 mois. Donc c'est comme ça a pris effet. Voilà. Voilà. C'est comme ça a pris effet. Donc nous, sincèrement, nous sommes fatigués. Voilà. On dit on se sent mieux chez soi. On ne peut pas aller au Ghana ou là-bas, on s'en loue une maison. On dit c'est 2 mois de caution et puis 1 mois d'avance. Tandis qu'encore dans son propre pays, où on doit avoir la sérénité pour avoir une maison, il faut payer 6 mois de caution, voire 1 an de caution. Mais pourquoi? En ce moment, on dort où ça? En ce moment, nous on dort où? Hein? Nous, on dort où? Dans l'État de Côte d'Ivoire, gouvernement, en tout cas, vous, entre vous et les propriétaires de maison là, arrangez-vous. Parce que c'est parce que les cautions sont élevées. Vous dites non, vous voulez garder l'argent là. Quand vous voulez une banque, voilà, allez vous la garantie. Moi, allez vous la garantie, c'est normal parce que le propriétaire de la maison, sa maison Shintok qu'il a construit, quand la pluie va venir, sa maison va s'écrouler. Bon, ça s'écroule là. Nous, on veut notre temps de caution pour aller habiter ailleurs. Il nous donne notre temps de caution comment? Il va nous mentir pour dire non, mais votre argent là, j'ai mis ça dans mon bureau de la maison. Quand ça s'écroule, c'est enseveli. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Ta maison s'est écroulée, c'est parce que tu voulais te jouer les chiens. Voilà, parce que quand on vous dit 3 brouettes pour 1 sac de ciment, vous faites 3 brouettes pour demi sac de ciment. Tout ça pour gagner. Mais vers la fin, on dit, à malin, malin et demi. Vous pensez que vous faites du bien. Vous faites du bien. Et puis vous nous voulez, mais au contraire, vous faites du mal. Parce que à la longue, votre maison, votre habitation que vous avez construit, qui est une poule aux yeux pour vous, va finir par s'écrouler parce que ce n'est pas de bonne qualité. Donc ceux qui construisent bien les maisons, c'est pas, ils sont bêtes. Voilà. Moi, mon papa m'a toujours dit, c'est ce qui est bon qui dure. Ce qui n'est pas bon ne dure pas. On vous voit, vous construisez les maisons, on dit 3 brouettes pour 1 sac de ciment, pour doser bien le mur. Vous faites 3 brouettes pour demi-ciment. Peut-être avoir 3 brouettes pour demi-ciment. 3 brouettes pour demi-ciment. Mais ta maison, ça va être dur, ça sera du sable. Ça sera du sable. Vous avez plaqué, vous voyez les maisons s'écouler à Bijan. C'est pas parce que ouais, c'est mal construit, mais c'est pas parce que c'est dans un climat, il y a un truc bizarre. Non. Les gens, ils dosent pas le ciment. On doit mettre 2 paquets de ciment là, et mettre demi-ciment, puis mettre beaucoup de sable. On doit mettre 10 paquets de ciment là, et mettre 5 paquets de ciment, et puis mettre beaucoup de sable.
Mais ta maison ne sera pas de qualité. Parce qu'ils n'ont pas dosé le béton. Et après, on se fixe, la main se coule. On dit non, la main s'est coulée, on n'est pas en mesure de vous rembourser votre temps de caution. Vous êtes tiré à terre. Moi, si je loue maison à Abidjan, ta main s'est coulée, ma caution, tu vas rembourser ça. Voilà. Tu vas rembourser ça. Parce que tu n'as pas remboursé, on va te faire arakiri. Voilà. Hein, tu dis, ici au Nigeria, c'est chaque un an, il paye les maisons. Moi, je ne vis pas au Nigeria. Tu vas voir ça. Voilà. Donc, les gars, c'est ça. L'État exige les cautions des gens pour pouvoir mettre à l'abri les locataires. C'est selon mon analyse. Voilà. Je vais vous donner des exemples. L'État exige de s'accaparer les cautions des locataires parce qu'ils estiment que ce n'est pas en sécurité avec le propriétaire. Imagine, nous sommes 20. On donne 2 millions au propriétaire. Lui-même là où ça? Notre caution, lui-même ça où ça? Parce que si on dit on quitte la maison, il faudrait que le propriétaire soit en mesure de nous donner notre 2 millions en même temps. Nous, on fait comment pour avoir accès à notre 2 millions. Mais l'État aussi, vous aussi, vous voulez l'argent là. Parce que vous, c'est même comme banque. Banque, là, quand tu en dépôt ton âge, il n'y a pas beaucoup de papiers à faire. Banque, tu t'en dépôt tes 15 millions au dû. Il n'y a pas beaucoup de papiers à faire. On dit, monsieur, tes pièces, numéro de compte, Baya, tu prends tes 15 millions. Quand tu as bien récupéré ton argent là, j'envoie tes pièces, numéro de compte. On dit, non, monsieur. Envoie le document. Non, monsieur, votre signature est perdue. Non, monsieur. Voilà, parce que non, c'est ça. Hein. En Côte d'Ivoire, en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est ça. Ton propre agent, quand tu as déposé là, on dit, monsieur. Voilà. Quand on a déposé là en banque là-bas, en Côte d'Ivoire, quand on dépose là en banque, on dit, monsieur, votre présenté. On monte présenté. Mot de compte. 15 millions, ils prennent, boum, on te donne en même temps. Ok, ça, en une fraction de seconde, tu as déposé ton argent. Mais quand tu vas venir retirer les 15 millions là, ils vont te créer des problèmes. Monsieur, votre pièce là, c'est un peu bizarre. Non, mais pourquoi signature là, c'est pas bien signé? Pourquoi tant de bizarre, toujours? Allô? Ouais, c'est dessin animé. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, merci. Ok, va. Mais Dominique Awana, elle a bien expliqué. Qu'est-ce que Awa ne comprend pas? Awa, il a parlé en Goula. Il a dit, quand mon dessin animé là, j'ai mon 15 millions, je vais déposer à la banque. On ne me donne pas beaucoup de paperasses à signer. On dit juste ma pièce dentée et je donne mon numéro de compte. Baya, ils ont pris mes 15 millions. Ils mettent ça dans leur compte d'opération. Un mois après, quand j'ai venu prendre mes 15 millions, elle est la même pièce qu'elle a déposée là. Le banquier va dire, non mais monsieur, tu as signé ça là, mais c'est pas monsieur la signature d'ici. Mais pourquoi c'est un peu tordu? Bon, faut faire petit décharge pour dire, on te demande beaucoup de papiers pour pouvoir faire ton argent. Or, quand tu viens de déposer, on t'a pas demandé beaucoup de papiers. Hein? Ah. Donc je m'adresse à l'État. L'État, vous qui êtes déjà voulu ici, caution des gens là. Voilà. On espère que ça va vous arnaquer. Parce que quand le gars va dire non, il veut quitter la maison, qui veut avoir sa caution, soyez en mesure de lui restituer ton argent. Ne dites pas non, va faire déclaration d'impôt au ministère de la Défense, va faire tant en temps, va à la mairie, faut envoyer ce papier ça là, faut envoyer papier ça là, faut envoyer papier ça, papier ça. Pourtant, quand vous déposez son nom, on n'a pas demandé papier ça, hein. On dit monsieur ton nom, il dit ça s'appelle Malik, vous déposez sa caution. Pour rembourser maintenant, on n'a qu'à aller au ministère de l'urbanisation, de construction, aller faire tel papier, tel papier, tel papier, tel papier. Voilà. Donc les gars, pour une fois, arrêtez de nous emmerder. Voilà. Arrêtez de nous emmerder. Trop c'est trop, nous on est fatigués. Voilà, on est fatigués. En temps normal, quand on dit l'État doit contribuer. L'État doit contribuer à l'épanouissement de sa population. Mais nous on a constaté qu'en Afrique, l'État contribue pas au contrat, au contraire, l'État contribue à notre déchéance. On ne sait pas si eux sont contre nous. En temps normal, ils travaillent pour nous. Ils doivent travailler pour nous, mais eux, ils ne travaillent pas pour nous. Eux, ils sont là pour nous enfoncer. On ne comprend pas. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc les gens,
propriétaire de maison, pour ne pas que l'État ait yeux sur la caution de maison là, c'est mieux, vous devez faire 2 mois de caution, un mois de loyer. Voilà. Moi, j'ai lu mon cycle au bois, on dit, c'est 15 000 la porte. Pour venir prendre la maison, tu as payé 1 mois de loyer, 2 mois de caution, ça fait 45 000. Est-ce que l'État va venir me pousser mes 45 000? Eh, l'État, c'est pas beaucoup, c'est 45 000, laisse ça. L'État, c'est pas beaucoup, mais 45 000, il y a ma famille, ça. L'État va taper l'œil. Mais si tu loues ton cycle bois, il nous porte à 15 000, et tu demandes 1 an de loyer, 1 an de caution. D'abord, 1 an de loyer, ça fait au moins combien? 12. Ça fait au moins 1 200 000. L'État va dire, c'est beaucoup. Voilà, ou bien, c'est pas combien, bizarre, là. 1 million, c'est pas calculé, je suis fatigué, les gens. Ça fait beaucoup. Donc, du coup, l'État a l'œil dessus. Et l'État, après, va se constituer en banque pour dire non, mais on a gardé votre argent, vous devez payer à Gio. Voilà, tout ça, c'est escroquerie encore. Tout ça, on voit l'État. L'État dit non, c'est là-bas, ils vont garder pour que ça soit une garantie. Après, maintenant, le gars venu prendre son nom, on dit non, mais l'État a gardé, vous devez payer les ristounes. Mais pourquoi l'État a payé les ristounes? Nous, on n'a pas demandé à ce que vous gardez notre argent. C'est vous qui avez dit, vous voulez sécuriser l'argent des locataires. Donc, soit demandez notre argent. Soyez en mesure de nous restituer l'argent tel qu'on vous a donné. Voilà, c'est 2 millions que vous a donné. Restituez nos 2 millions. On est venu demander notre argent avec notre pièce d'entrée. Ne demandez pas d'autres pièces pour dire non. Allez prendre. Allez faire courrier chez Anne ou Leto. Allez faire courrier à la mairie. Allez faire 30 ans. Parce que vous, on voit venir. Voilà. On voit venir. Baba Yapansuru. Voilà. En tout cas, faut poser la question à l'État. Parce que l'État dit, ouais, il veut garder la caution. Et si maintenant le gars qui louche ma maison, lui, il a gâté ma maison. Il a dégradé certains outils de ma maison. En fait, comment pour réparer? Ou même l'État va venir faire l'état des lieux. Voilà. Donc tout cela, quand on veut mettre un projet en place, il faut qu'on fasse une conférence de presse pour venir expliquer. Mais vous n'expliquez pas. Vous venez, parce que c'est vous l'État, vous venez, bayaï. En Dieu, on a plus, c'est plus ça à expliquer. C'est moi qui suis en train de vous donner les idées. Voilà. Vous devez aller lire ma vidéo. Voilà, de s'animer, il a bien parlé. Bon, ce qu'on a parlé. Sinon, vous-même, vous êtes des zéros. Parce que vous n'avez jamais été des zéros. Donc, vous êtes des zéros parce que vous n'avez jamais été des héros. Voilà. Dans l'État de Côte d'Ivoire, c'est des zéros. Ils ne sont pas héros. Voilà. Ils sont toujours là en train de s'inscrire dans la médiocrité. Voilà. Eux, ils veulent lui imposer des choses sans justifier. Les tenants et les aboutissants. Parce que c'est eux l'État. Mais j'oublie que l'État, c'est nous aussi. Voilà. Et j'oublie ça. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, dans la mesure où la caution est exorbitante. Je suis d'accord que l'État s'accapare cet argent pour sécuriser le pauvre. Là. Parce que si la maison s'écroule, le propriétaire va dire, non, mon frère, là, tu m'as donné la caution, là, tu te mets dans... Ma maison en s'ébellit ça, je ne suis pas venu te rembourser, t'en as un cadeau. Ok, avec l'État, on peut te donner ton argent. Mais l'État aussi va dire non, tu as débuté 2 millions, mais nous on a suivi votre argent, t'as donné 1 500 000. Donc l'État te vole et le bouddha t'a volé. Donc on peut pas, on ne sait pas où on s'est sécurisé. On ne sait pas où on s'est sécurisé. Donc promettez les maisons pour éviter que l'État s'accapare les cautions des gens. Diminuez vos cautions là. Voilà. Nous, on touche judicieux. Il fait 1 mois d'avance, 2 mois de caution. Voilà. Passez ça à l'État. Venez dessus. Voilà. Donc, 1 mois d'avance, 2 mois de caution. 1 mois d'avance, 2 mois de caution. Les 2 mois de caution, c'est le propriétaire qui garde. Voilà. Là, quand toi, le locataire, là, tu quittes la maison, là, on va faire des états des lieux. Voilà. Parce que souvent, quand vous quittez la maison, vous quittez toujours pauvre. Vous n'êtes plus rien pour quitter la maison. Dans les 2 mois de caution, ça va servir à réparer ma maison. Si vous avez mis ma maison dans un état de délabrement, pas possible. Voilà. Voilà. Donc, question. Si il n'y a pas de question, c'est bonne question. Bon, il n'y a pas là l'opposition. Opposition de Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont. Qui est votre chef, mais opposition de Côte d'Ivoire là? Qui est votre chef? Voilà. C'est comment mon vieux Maroc Caïman? C'est comment? Mon vieux Maroc Caïman. État de Côte d'Ivoire, opposition de Côte d'Ivoire, qui est votre chef? Voilà. Qui est votre chef? Parce que nous, on voit que vous flémez. Voilà. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des plaisantins. Voilà. Des petites femmes en string.
Voilà. Au poussin de Côte d'Ivoire, vous avez des plaisantins, des femmes en string. Beau faux string là. Voilà. Ça commence le de Paris, champion. Aïe, il n'y a plus dans le travail, tu as dit de Paris. Bon, comme tu as deux comptes là. Voilà. Tu viens de me prendre en marche. Il a parlé un peu. C'est vers la fin ici maintenant. Opposition de Côte d'Ivoire. Opposition de Côte d'Ivoire. Quel est votre chef? Vous êtes des plaisantins, des femmes en string. Ouattara vous déroute et puis zéro. Vous fuyez, vous tous venez à Paris ici. Aïe. Vous devez être président de, vous devez être président d'Europe, quoi. Nous, au moins, ça, non, on est des griots. Non, on est ici, non, on peut discuter, on parle. Voilà, on peut dire, hé, Ouattara, hé, tiens, voleur, voleur. Mais vous, opposition, là, mais Ouattara, quand on calcule, mais Ouattara a montré que c'est lui que le garçon. Voilà. Si on calcule bien là, Ouattara a montré que c'est lui que le garçon. Que devant lui, il n'y a pas de garçon. Voilà, Ouattara a dit, et puis il a promis. Il dit, hé, j'ai rendu ce pays ingouvernable, et puis il a rendu le pays ingouvernable. Lui, qu'il promet, lui fait. Voilà. Lui, il n'a pas entendu pour dire, non, l'élection arrive. Hein. Il dit, hé, dans 2 ans, pas avoir l'élection, il y a dans ce pays ingouvernable. Il a rendu le pays ingouvernable. Il était dans l'opposition. Ouattara, il a lâché les chiens du RDR. Il n'y a pas de RDR sur les chiens, mais quand les chiens, c'est au sens figuré. Voilà. Les chiens. Voilà. Allez, on s'en marche. Et marche. Quand il y a la répression, RFI est là. Blah, blah. On dit BDF mate son peuple. Gbagbo mate son peuple. Photo, plac, plac. Gbagbo a tué 6 femmes à Bobo. Ok, on ne va pas croire, mais le fait de marcher. Le fait de marcher et qu'il y a les médias. Mais du coup, ça fait écho. Donc, vous là, aujourd'hui, là, opposition, aujourd'hui, il y a Facebook. Voilà. Vous-même, vous pouvez faire beaucoup de montage même pour tuer Ouattara. Parce que où on est allé là, c'est science-fiction. Chacun a Facebook. Voilà. Vous devez déclarer des manifestations. Voilà. Manifestations éclatées. Faites des montages. Prendre Ouattara dans son propre piège. Son piège de manipulation. Il dit, ouais, femme est morte là. Nous, on marche, on a notre vidéo, on a notre direct. On fait tomber, quand ces policiers attirent, on verse 100 de bœufs sur 2 gars là-bas. Ouattara, tu les gens, puis on filme. Ouattara, voyez ce que Ouattara fait. Mais on est là, on marche pas. Ouattara dit, si il n'y a pas de réforme, on est là, dans nos coins. On est là, on attend. On dit que non, on est opposant. Vous êtes des plaintins. Opposition en string, vous êtes les gauches. Venez dans Oumou ici même. Voilà, vos faux string qui sont là. Les plaisantins comme ça, qu'on est opposant. Vous êtes opposant où ça? Depuis, on dit que 2020, ça arrive. On est en août. Il n'y a même pas petit match. Pour dire CI, il n'y a même pas petit match. Ok, Ouattara, lui-même, il n'y a pas encore élection. Il était en 2010. Mais en 2008, lui marchait. En 2008, lui marchait. Voilà, quand on frappe sur moi, il y a petit foot en même temps. Plac, plac. Babota Moron Nounou à Kanfaga. Babota Moron Nounou à Kanfaga. Babota Moron Nounou à Kanfaga. Et puis, on prend photo. Bah, il met ça sur les journaux de propagande. On dit Ouattara, on dit Gbagbo mate son peuple. Gbagbo mate son peuple. Mais vous, à votre club, vous n'avez pas dit que Ouattara mate son peuple. Mais quand Ouattara vient à Paris, et puis Macron pose question, mais Ouattara, ça va bien chez toi? Il dit, oui, ça va bien. Ok, ça va pas. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marche. Vous ne marchez pas. Ah, c'est moi qui avais dit marcher. Puis c'est votre parole. Quand on dit, allez marcher, toi même viens ici. Hé, ça là, ça coûte combien? C'est 90 centimes, c'est eau minérale. Il boit ça toujours. Quand tu veux pas ça, bien, tu ne peux pas boire. C'est 5 Togo. Tu ne peux pas boire. Voilà, ici pour les moins chers. Et ton 5 kilos, tu manges bien. Voilà. Donc moi ici à l'aise. Mais si moi viens parler, c'est pour vous parler. Moi, je m'en fous de ça. Moi ici à Bengue. Hey. Moi ici à Bengue ici. Ici à l'aise ici. Voilà. Quand vous parlez pour libérer le pays, c'est vous qui êtes du Nord. Venez vous-même ici. Moi, je suis encore du voie. Hein. Voilà. Quand je suis encore du voie, moi, je n'ai pas fui combat. Hein. Moi, je ne fuis pas combat. Voilà, moi c'est au charbon. Ceux qui me connaissent, moi, je ne fuis pas combat. Voilà. Ici, pas de m'asseoir dans le jupon de ma femme pour dire, il n'y a pas de mes papa. Quand ça a commencé. Il était dedans aussi. Voilà. Non, visage, ça fait peur. Quand la guerre est finie là, les mois qui étaient LDR, RGP là, quand le combat est fini à Abidjan, ils ont commencé à signaler les petits douleurs. Ils ont dit, hey, soyez ce qu'on fait combat. FSI vient de prendre. Moi, ils m'ont vu en train de combattre dans la voiture. Il n'y a pas l'homme qui est garçon qui venait dire douleur à combattre. Ça n'existe pas. Mes yeux sont rouges. C'est un des barbillants qui est là. Il n'y a pas l'homme qui m'a dit, hey, voilà, on m'a bien vu dans, pendant les combats. On m'a vu même dans la voiture, séquence numéro 12. Mon équipage, en train de sonner dans le Yopougon là. Mais quand la guerre est finie, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, ah, nous là. Non. Même quand ça a commencé, mon petit est venu me voir chez moi. Il a dit, petit, viens en bois. Il s'est mis dans mon balcon. C'est moi qui ai commencé. Et tout le quartier a frappé. Mon pourrait dire que nous là, quand ça a commencé, il a tiré aussi. Mais il n'y a pas garçon. Voilà, parce qu'on s'est fait respecter. Voilà. Donc, ce qui dit, ouais, viens, viens,
Moi, j'ai fait mon temps, c'est fini. Voilà. Et si tu as une grève, tu peux être petit encore. Alors, moi, si tu as une grève, tu peux être petit. Alors, moi, plus là, j'ai couru dans le nord. Bien vrai, j'ai fait petit, mais si tu as une grève, tu peux plus être petit. Voilà. Donc, chacun, ça va, mon vieux. Voilà, les secours-là, ils connaissent. Dans les temps en temps, c'est un autre les vrais mentons, autant de bédiers. Voilà. Quand ils marchent éclatés, les secours sont devant. Voilà, et c'est les morts, ils sont là. C'est eux, ils sont là pour le butin. Voilà. Eux, là, quand ils marchent à commencer, c'est butin en même temps. Ils sont pas dans mauvais rêve, c'est les butins. Voilà. Mais vous, on dit, allez marcher. Non, vous m'avez venu ici. Vous connaissez moi. Moi, je bois au ici. Je bois au minéral. Hein? Je bois devant vous-même. Je bois ça. Ça, c'est. Je bois ça. Tu ne peux pas boire ça, Abidjan. Tu ne peux pas boire. Tu as boire ça comment? Tu as boire ça comment? Tu ne peux pas boire ça. C'est cher. Tu ne peux pas boire. Voilà. Donc, quand on dit allez marcher là, voilà, c'est pour dire on veut prendre la communauté internationale à témoin pour dire Ouattara, il n'est pas bon. Mais Ouattara vient à Paris ici. Macron demande, ah mais ça va au pays? Il dit, oui, ça va. Ok, ça va pas. Mais vous ne marchez pas. Comment vous démontrez aux gens que ça marche? Voilà. Ah, moi, bien, me vois Caïma. Est-ce le mort de butin? Autant de bédiers. Quand on dit, ouais, manifestation bédier, ils sont dans la rue en même temps. Voilà, 99 Tati. Quand il y a un coup d'État, bon, les Tati, là, ils ont fait butin de l'écrit. Aïe! Eux, c'est les champions, c'est les mentons, les vrais guerriers. Quand ça commence à reculer pas. Ouais. Mais il y a un mort qui descend dans les îles. Coup d'État. Moi, je vais expliquer l'histoire. Il y a un mort qui descend dans les îles. 99 coups d'État. C'est gâté à Yokougon. Il y a un mort là, pris Matila. Allez, c'est vous, Caïman, mon grand frère, Dieu le Sultan, tout ça là. Le mort a pris Matila. Il dit, hé, mon frère, Matila, tu passes pas ça ici, il faut de Matila. Il a dit, ok. Et ils sont trois, ils l'ont entouré. Il dit, ok. Changement, pour ils l'ont limé. Il a un couteau. Quand on limait le couteau là, son couteau est tombé. Il enlève un autre couteau encore. Puis il dit, hé, Matila, sans donner, ils sont trois. Pour finir là, le mort se dit, qu'est dressé. Et son Matila, il est parti. Peut-être qu'il ne pouvait pas. Il a au même 6000 couteaux sur lui. Nous aussi. Voilà. Donc c'est ça là. C'est ça les guerriers. Voilà. C'est ça les guerriers. Bon, on est là. On est là. Voyez, voici un mouton. On dit, on parle de la vie. Lui, il dit, oh, mais c'est malade. Bon, il ne sait pas de qui il parle. Voilà. Il ne sait pas de qui il parle. Voilà. Donc les gars, opposition. Il n'y a pas opposition en Côte d'Ivoire. Voilà. Et tous sont venus se promener ici. On dit, non, on va voir Babo. Ah, Babo, il est Jésus, quoi. Donc, c'est Babo qui a donné le doigt où. Babo qui est opposé à lui, machin. Hein? Babo qui est opposé, non, machin. Quand il dit, allez, déloger Gueye. Non, il n'a pas dit déloger Gueye en 2000. Il n'a pas dit machin encore en 2000. Il n'a pas dit déloger Gueye. En 2000, Boka a pris à tirer sur nous. Voilà, ça, il était là. C'est pas pour nous que ouais, il était à maison ma compter. Voilà. Boka a pris, il a porté habit de Kribé. Habit de ce nous faut là. Il a porté ça. Voilà, au plateau. Et puis, il tire sur nous. Hein, c'est libéré un brigade rouge là. Moi, il était là-bas. C'est pas pour dire, voilà, c'est peut-être pas qu'il ait vu comment Boka a pu être habillé. Boka a pu apporter habillé, cribé. Cribé de ce nouveau là. Voilà, habillé, il a apporté ça. Un petit Mouba en bas. Et puis il tire sa main gauche, là, et puis il tire la main gauche. Il tire dans le stade comme ça. Pour nous voir entrer les fuites vers ce terrain là. Elle est 4-4. Maintenant, pour nous toucher, il y a un avion qui décolle, comme boum, ça me met là. Ça, c'est le 24 octobre 2000. Voilà, donc nous, moi, mon temps, on dit, allez marcher là. Moi, il marche. Il n'y a même pas d'aide. Mais vous, on dit allez marcher. Non, venez ici. Moi, je venu. Moi, j'ai fait ma part. Hein. C'est comme un chenaki. Moi, j'ai fait ma part. Alors, nous, on parle pour vous. Sinon, moi, mon 5 euros, ça me nourrit bien ici. Bien même. Hein? Mon 5 euros, il ne peut pas boire ouah ouah ça. Tu ne peux pas ouah ouah. Tu ne peux pas boire. Pizza à Abidjan, c'est 10 000. Pizza à Abidjan, c'est 10 000. Et si vous payez un peu, c'est à 10 000. Jamais. Et moi, 2 euros, ça paye pizza. Avec moi, c'est 1300. Ça paye pizza ici, ça 2 euros, ça paye pizza ici. Ah. Et lui, il dit quoi? Bon, il était supprimé. Il est supprimé. Lui, il dit quoi? Il est supprimé. Voilà. Donc, moi, je pense que Ouattara, il a. Quand il dit, ouais, c'est bouclé. C'est géré là. Ouais, Ouattara, il a bouclé la géré. Il a bouclé, mais après opposant, et tous ont fui. Comité politico, PDCIO, SPI, et tous, ils ont fui le pays. Ils sont venus en France. Quand on s'en va, Babo. Ah, Babo qui est au conseil, il ne cherchait pas tout. Hein. Il ne cherchait pas à lier. Lui, il conteste ses militants pour aller dans la rue. Mais vous cherchez, vous venez en France, vous venez faire quoi en France? Ah, c'est en France, c'est Babo. Vous cherchez diplomatie. Mais Ouattara, on veut enlever pas diplomatie. Ouattara, ce n'est pas guerre qui a enlevé Ouattara. C'est le peuple. Voilà, le peuple, là, les locataires, c'est eux qui ont dit Ouattara.
Pour lui, on ne veut pas Ouattara. Voilà. Et puis nous-mêmes, actuellement, dans notre temps, je ne sais pas comment, 2010, maintenant il y a Facebook. Donc on peut faire les vrais montages même. On fait un petit match, comme ils ont fait pour eux, puis hein, à Bobo, l'homme marche et puis il a Kalash là. Non, même match, on est devant pour ça. Et puis il y a les gens qui sont derrière. Les signaux sont là, ils ont déjà le sang, ils ont déjà les, tous les bras, ils ont déjà la fille qui doit tomber. Quand on Ouattara tire, non, même temps, on jette la fille, on met essentiel. Puis on filme maintenant. Ouattara tire son peuple. Ouattara tire son peuple. Ça prend Guéou, c'est comme ça. On n'a pas la propagande. Voilà. Bye. Voilà. Donc c'est ça. Mais on laisse Ouattara paisible. Mais vous deux, non, Ouattara, c'est pas possible. Ah, tiens. Mais on l'a dit, il y a un pays ingouvernable. Et puis il y a un pays ingouvernable en drap. En 99, il y a Bédié, il y a Mourou, ta maman. Et puis là, Mourou Bédié en 99. Ah. Il dit que Babo, il y a le Mourou, il va trouver comme un fruit pourri. Babo, il va trouver comme un fruit pourri. Donc lui, pas lui faire quoi. Donc nous, si on parle, on ne peut pas faire quoi. On attend 2020. Ah, élection quoi. Vous pouvez gagner l'élection. Vous pouvez gagner l'élection. Ah, vous allez aller à l'élection et Ouattara. Vous pouvez gagner l'élection et Ouattara. Vous êtes plaintin même. Vous êtes plaintin. Ouattara, c'est pas l'élection plus en 2000. C'est les remous sociaux. Comme Blaise Compaoré est parti, est-ce qu'on va s'en plus partir? Sinon, pour dire l'élection. Il dit c'est géré, c'est bouclé. C'est fini, il a géré la boucle. Opposition ne parle pas d'enrôlement de 40 ans. Eux ne parlent pas de ça. On ne peut pas s'enrôler, on ne sait pas. Mais vous êtes là, après on dit on est opposé. Vous êtes opposé. Hein? Donc, sinon, on va calculer bien. Mais vous trouvez dans un dealer Ouattara. Mais vous êtes des cinéastes et tout. Et nous, après, on crée des pouvoirs. Mais nous, qu'est-ce qui ne va pas même? Et c'est ça, mais c'est pas. Et c'est pas dans dealer Ouattara. Et c'est pas pareil type. Non, doctrine. Ok, même. C'est les mêmes sources. Là. Voilà, parce que à cette allure, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est quelle opposition qui fait rien. Il n'y a pas marche, il n'y a pas meeting, il n'y a rien, ils sont là. On a presque en 2020, il n'y a pas meeting, des marches, il n'y a pas meeting pour dire, mon Ouattara, réforme le CI. Vous attendez quand? Vous attendez ça? Vous attendez de faire ça à 6 mois d'élection, quoi. Non, c'est maintenant qu'on va commencer. Voilà. Alors Ouattara dit, écho est bon. Moi, j'ai même vu. Quand Ouattara pense que je sais que c'est pas bon. Ouattara, quand Ouattara dit que je suis bon, c'est que c'est pas bon. Alors, Ouattara dit écho est bon, c'est que c'est pas bon. Ouattara dit la nouvelle monnaie, c'est bon, c'est que c'est pas bon. Voilà, nous on est là, on marche pas, on dit non, opposition. Quand on vous parle, vous dites non, venez ici, mais hey, viens rien là-bas. Voilà, moi j'ai fini de faire ce que moi j'ai à faire. Pour me faire plus que vous-même. Moi j'ai fait vidéo, tout le monde me connaît. Moi je connais tout le monde. Tout le monde me connaît, on peut me marrer, on peut me dans un couloir, puis on me pique. Voilà, tout ça à cause de quoi? À cause de faire vidéo. Là on pensait que c'est buzz. Moi je cherche buzz pour m'attirer des ennemis, quoi. À quoi les vidéos ne pas entrer en Côte d'Ivoire? Il y a moi même sur ma vie en Côte d'Ivoire, moi en même temps. Ok, vous voulez vous partir en Côte d'Ivoire, vous vivez bien en Côte d'Ivoire, non pas aller en Côte d'Ivoire, à cause de vous, parce qu'on veut faire vidéo, parce que non, notre peuple souffre. Mais vous parlez ça, les maires comme on dit non, viens dans au pays. Ah, c'est moi qui attends au pays. Ah, moi je peux libérer le pays. Bah. Le pays, c'est mon sud. À moins d'être le mati. Babou lui m'a dit, hein, il dit, il ne s'est pas suicidé. Moi, je ne suis pas suicidé. Voilà. Vous faites conférence de presse, format, conférence de presse. Eh, hey, pays, là, c'est pas conférence de presse, on a marché. Ici, vous voyez, gilets jaunes, hey, laisse pas faire. Dis qu'on devait augmenter pour le pétrole, ça diminue. Et pour le carburant, ça diminue. Mais nous, on est là, on marche pas. On est là, non. J'attends 2020. 2020, c'est maintenant. Voilà. On dit, on commence à préparer la retraite dès l'obtention de son premier salaire. On n'attend pas 5 ans pour dire non. Bon, après, là, non. Dès l'obtention de ton premier salaire, c'est là que tu commences ta retraite. Voilà. Donc, vous attendez que l'élection est le 20 octobre 2020. Vous devez commencer maintenant votre campagne. Bon, attends, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Ah, okay. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de garçon. Vous ne bonnez pas. Ouattara, c'est un chef. Big up, vraiment, Ouattara. Tu es un chef. Aïe, tu confirmes? Tu es un chef. Il n'y a pas de garçon, mon frère. Aïe, il n'y a pas de garçon. Maman était certifié. Il n'y a pas de garçon pour toi. Tu as des plantains et tous. Faites bruit pour rien. Ouattara appelle le Gbagbo, c'est tout. Tu n'as pas Gbagbo là, Ouattara pas appelle quelque chose. Soro, 30 ans, c'est tout, c'est les plantains. BD, tout, c'est les plantains. C'est un discours tiré. Tiré, discours et tout. Des vrais plantains, mais c'est pas bloc. Mais c'est quelle opposition? Vous ne faites pas marche. Et aussi là, on devait faire marche, mais nous là, on est là pour relayer les informations. Vous devez faire les marches, les techniques, les montages. Ouattara vous a appris ça, non? Les femmes d'abord, il a tué là. Elles ont vu le corps. On dit, c'est surtout à ces pays. Donc nous aussi on dit marche et puis on a nos gars qui sont là. Quand Ouattara c'est gars, il y a deux qui tombent en même temps, on fuit en même temps, on fait direct. Ouattara blesse, on a plat, Ouattara oh, Ouattara. On vient, on peut venir un infime aussi même, un infime qui a son pied cassé. Dès que Ouattara dit boa, non mais sans sur boa, on met son pied est coupé, vrai. Ouattara coupé pied les gars, puis on fait vidéo, on envoie ça, non, on relaie l'information.
ils vont appeler Ouattara pour dire, tu tisses la population, tu tisses la population, tu veux gagner ce que je veux moi, tu veux gâter notre business, bon Ouattara, faut quitter, on veut pas de toi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Mais vous êtes là, vous ne marchez pas. Vous venez vous promener en France. Ah, c'est ici, vous n'êtes pas pouvoir. Ah, vous j'ai soutien. Babou n'a pas j'ai soutien. Babou il a marché. C'est le peuple qui a le pouvoir, Babou. Dans ce contexte aussi, il y a sur le peuple est fâché. Mais le peuple attend un mot d'ordre. Mais il n'y a pas d'opposition. Ils sont là. Tranquille dans leur coin. C'est comme Fifi Yassi. Il n'y a pas d'opposition, ils sont là tranquilles dans leur coin. On vous parle mal, mais ils sont là, ils ne peuvent pas parler. Jusqu'à me dire, on va vous assassiner. Ils me disent, on va vous assassiner. Sinon, si vous avez pris quelqu'un, est-ce qu'ils peuvent faire sortir par là pour dire, on va vous assassiner? Jamais. Voilà. Et vous êtes là, non. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal même. Voilà. Mais vous dites que c'est stratégie, quoi. C'est pas stratégie, mais les mouillés, mais les gawa. Le seul homme qui est hier, c'est Babou qui est hier. Sinon, vous êtes les gawa. Voilà. Vous êtes des vrais gawa même. Mais Ouattara c'est le guerrier. Aïe, Ouattara en drap, il dit, il est mélangé pour voir, il ne met pas en prison. Il a médicament quand même Ouattara dans ce bâble. Quelqu'un qui dit, hé, hey, hier dans ce pays, un gouvernable. Et puis on n'arrête pas. Puis il est là dans le pays, puis hier dans ce pays, un gouvernable. Ah! Lui, il dit ça, et puis on n'arrête pas. Il n'y a pas possible pour l'arrêter. Il n'y a pas possible pour l'arrêter. Jusqu'à il a prospéré, jusqu'à Ouattara fait l'attaque. On dit, le nageur au dos, lui, on le voit, on le voit. Jusqu'à le nageur est sorti en bas de lui, il a crisé tout, il est tombé. Or, quand on voit le nageur, il est tiré sur lui, on l'a laissé. Nageur au dos, lui, nageur au dos, lui. On le voit, on le laisse. Ouattara attaque les gens, on dit on fait enquête. On ne voit pas le résultat. Mais les gens avaient peur de Ouattara. Mais Ouattara c'est le guéri. Ouattara c'est le guéri, les gars. Faut pas en se mentir. Ouattara c'est le guéri. C'est un guerrier, les gars. Aïe. Il a montré qu'il est guéri sur toute la ligne. Quand lui dit, il fait. Quand il fait, il dit. Aïe. Quand il fait, il dit. Lui, il a dit, s'il dit en 2020, il n'aura rien. Et puis, il n'aura rien. Il a dit, s'il dit en 2020, il n'aura rien. Aïe. Il a mangé votre esprit. Il y a des plaisantins. L'homme est. L'homme, lui, il est comme Jésus, lui, il est sûr de 2020. Il dit à 2020, il n'aura rien, mais vraiment, il n'aura rien. Mais tout ce qu'il a, tous les propos qu'il a tenus, puis il n'a pas été inquiété là. Il continue toujours. Aïe! C'est vous les moutons même. Pour opposer, vous êtes les vrais moutons, mais c'est pas bleu. L'élection est arrivée, on est en juin. Il n'y a même pas petit match même. Tout ce conférence de presse. Conférence, ça fait quoi? Ça fait rien, conférence de presse. Voilà, montrer les images. On est en profiter de à faire les béouilles là. Pour rentrer dans eux, mais Ouattara, pourquoi? Puis on fait marche, on marche, on marche. Quand Ouattara nous gaz là, on fait tomber deux personnes, puis on met sans yeux. C'est lui qui nous a montré, on met sans yeux. On filme, Ouattara tué, deux morts. On envoie un gars qui a pied cassé aussi. Il marche, il est en marche, il est derrière. Quand Ouattara tire, il y avait beaucoup, beaucoup, ouais, c'est militaire. On fait tomber le gars, on met sans yeux. Ouattara coupé pied, il y a eu deux pieds coupés. C'est fini. Ouattara tombe. Aïe. Ça, c'est la stratégie. Mais vous êtes là, vous êtes là, vous les faites rien. Quoi, nous opposons, vous tous, vous fiez, venez à Paris ici. Aïe. Aïe. Non, c'est pas faux. Ouattara, il n'aura rien. Là, dis ça, mais pour me dire qu'il n'aura rien. C'est bruit, en fait, c'est tout. C'est bruit, en fait, c'est tout. Il n'aura rien. Parce que s'il y avait quelque chose, on devait voir les prémices. On devait voir les prémices en ce moment-là. On devait voir. Mais Ouattara, on dit réforme du CI. Ouattara dit il ne réforme rien ici. On dit réforme du temps, il dit il ne réforme rien ici. Que ça, c'est un débat qui est caduque. Et puis on est là, on n'a pas marche. On est là seulement, il n'y a pas marche. On a donné quoi? Qu'on va les sanctionner, on va les sanctionner dans les unes. Toi, tu peux les sanctionner dans les unes. L'homme qui a au moins 16 000 calentés, il a mal distribué. Toi, tu peux les sanctionner. Vous pouvez sanctionner Ouattara ou ça? Vous ne pouvez pas les sanctionner. Donc, en cas, les gars, reconnaissez que Ouattara, c'est votre chef. Ça, reconnaissez ça. Même si on ne l'aime pas, Ouattara, c'est votre chef. C'est tout. C'est votre chef. Tranquillement, tranquille, c'est un vrai mousse, c'est un vrai brigand. Aïe, c'est un délinquant même. Lui, il fait, puis il dit, puis il fait. Andra, et puis il n'y a rien derrière. Aïe, il n'y a rien derrière. Quand on est opposant, opposant, on ne voit pas ce que vous faites. On ne sait pas ce que vous faites. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Quand on veut prendre un pouvoir là, c'est pas au jour J. On commence à préparer le pouvoir là depuis son élection en 2020. Depuis 2018, on commence à faire marche parce qu'on veut le pouvoir. Voilà. Quand on veut faire l'examen là, et puis c'est. Bah, moi, c'est pas si vous êtes bête. Parce que quand on veut faire l'examen d'école là, on prépare l'examen de l'école dès le premier jour de la rentrée. On n'attend pas qu'on dit examen c'est en juin. Et puis on a commencé à étudier en juin pour faire les décapés pour dire non, on prépare l'examen. Non. Quand on dit un examen là, on prépare dès le premier jour de la rentrée. Donc si on dit élection là, vous devez préparer l'élection dès maintenant. Vos points c'est dès maintenant. Vous devez faire les marches. Voilà, les réformes de la CI. Ce qui ne va pas. On doit enrôler de temps en temps. 40 heures gratuites. Vous devez marcher. Mais vous êtes là, vous promenez.
Ah, c'est dans les Hauts-Garonnes, quoi. Ok, c'est bien sûr. Ouattara, c'est mon big up. Nyokbo, Fifi Yassi, Ouattara parti, oui, moi c'est mon souhait, mais il va comment? Ah, on compte sur Dieu, quoi. Jésus revient. Jésus revient. Après 2019 ans, je n'ai pas revenu. Voilà. Ceux qui comptent sur Dieu, c'est les paresseux. Non, Jésus revient avec 2019 ans en temps. Hein. Jésus n'est pas revenu avec 2019 ans en temps. Jésus revient, il revient, il revient, il revient. Il va partir comment? Jésus revient comment? Vous n'êtes pas appelé, je n'ai pas revenu. Il vient comment? Jésus vient comment? Ouattara part comment? Oui, moi, c'est mon souhait. Ouattara part en 2020, mais il part comment? Parce que quand quelqu'un doit partir, il y a les prémices. Il y a les signes qui ne trompent pas. Mais moi, il n'y a aucun signe du bien qui était Ouattara. Il n'y a aucun signe. Oui, il n'y a aucun signe. Ouattara doit tranquille, mais il dit, hey, c'est géré, c'est bouclé, c'est confirmé. Voilà. On a clé minute, on n'a pas clé de minute, on n'a pas clé. Même si on a clé de ça, là, on ne peut pas déboucler ça. Voilà. On peut rien faire. Il a un médicament, le gars. Il a un médicament. On me dit, allez marcher, non. Qu'on a envie. Moi, j'ai venu à Abidjan. Ah, les gars, chaque chose a son temps. Moi, j'ai fait mon époque. Moi, j'ai un match qui ne me fait pas compter. Moi, j'ai commencé à marcher depuis 90. Voilà. Mais on commence à marcher depuis 90. 90, j'ai marché. 95, on a boycotté. En 2000, j'ai voté. 2005, j'étais militaire. 2010, j'ai pas voté. 2011, j'ai fait la guerre. 2012, je me suis envolé. Je suis venu ici. Ah, moi qui a fait tout. Moi qui a fait tout pour vous. C'est bien ça. Ne venez pas au combat pour le pays. Moi, je ne suis pas martyr de quelqu'un. Voilà. Moi, je ne suis pas martyr de quelqu'un. Ça vous dit ça. Voilà. 2020, c'est maintenant. 2020, c'est maintenant là. On doit marcher. Voilà. Ouattara nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris les montages. On doit faire les montages. Voilà. Ouattara nous a appris les montages. Et puis nous-mêmes, on ne disait pas montage. C'était des choses. On nous voulait montage. Maintenant, nous-mêmes, là, on a beaucoup de caméras, beaucoup de vidéos. On relève l'information sur moi. On crée même les bambins par les mois partout. Quand on attend tout le feu, à l'époque, bobo, on fait sortir deux mois là-bas. On dit, Ouattara tué. On filme Ouattara tué. L'autre, la marche de haut, Ouattara tué. Puis on met sur Facebook. Non, on prend photo. On balance ça sur Facebook. Ouattara tué, Ouattara tué, Ouattara tué, Ouattara tué, Ouattara tué. Ça prend Géou. Les blancs m'ont dit, hein, tu dis ton peuple. Le printemps arabe, ça arrive comment? C'est arrivé par Facebook. Voilà, il y a un gars qui s'est immolé. Il peut la fumer. On dit, ouais, Tunisie, il y a un gars qui s'est immolé. Printemps arabe. C'est comme ça que le printemps arabe arrive. Mais vous ne marchez pas. Ouattara est parti. Ouattara, si ça va marcher, il ne faut pas partir. Voilà. Si ça va marcher, il ne faut pas partir. Ah. Il dit pourquoi il n'a pas voté en 2010. Il n'y a pas 40. Il n'y a pas fait 40. Il y a une seule fois 40. Ma première 40, il est en 80. Ma première 40, il est en 80, combien je sais pas. 80. 96, mais oh, je sais pas. 96, ma première 40. Voilà. Après ça, il n'y a pas eu 40. Parce qu'en 2000, quand Babou est venu, ils ont fait récépissé blanc pour ça, CNI. On dit avant 40. On a fait quoi? La demande n'est pas venue. Donc moi, j'ai dit, j'en ai dit, bon, ils ont fait encore. Ils ont dit, moi, c'est plus dans ça. Moi, ma 40, les amis, ça me suffit. C'est plus d'avoir 40, bizarre. Donc, c'est comme ça, c'est qu'il n'a pas fait 40. Voilà. C'est comme ça qu'il n'a pas fait 40. Voilà. Donc, les gars, c'est la solution. Hein. Voilà, c'est la solution. Voilà. Voilà. Ouattara en train de vous montrer comment diriger un pays. C'est vous qui quittez les Gawa, c'est tout. Voilà. C'est vous qui quittez les Gawa. Lui vous a menacé ici, puis il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et il a un médicament, il a un fétiche. Maintenant, vous avez tout. Ouattara vous a montré comment on dirige. On fait opposition. On est venu marcher aussi. Ouattara lui marchait. Aïe. Et puis il était prêt. Sabotage, montage. On dit Chanel, le pouvoir. Ouattara dit c'est ses militants. On est chargé de pourquoi Ouattara dit c'est un militant. Il dit c'est un militant. Aïe. Mais vous marchez aussi. Si vous marchez là, quand il faut pour partir prendre le corps d'un braqueur, vous mettez sans celui. Eh, hey, Ouattara a tué. Il a tué. C'est militant, tué. Aïe. C'est quoi en fait? Ouattara tire. Il tire à crocodile. Bon, en fait, on met deux gars au pouvoir. Vous dites, hey, Ouattara coupé pied. Ouattara coupé pied. Puis on met sur le net. Ouattara doit partir. Ouattara le sang. Comité international va dire, hey, c'est chaud en Côte d'Ivoire. Ouattara tente de tuer son pub. Ouattara, il va quitter là. Mais nous, on est là, on ne marche pas. On dit élection. Élection, sa mère qu'on met dessus. Voilà. Élection, c'est pas. C'est bouclé, c'est géré. Il n'y a pas élection ici. Voilà. Parce qu'il a tout triché. Voilà.
Là, tout bouclé. Donc, les gars, moi, ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Ma vidéo, j'étais venu parler de. Je vais clôturer. Voilà, fait 1 heure quand même. 1 h 09. J'étais venu pour parler des locataires, des propriétaires de maisons et de l'État. Voilà. J'ai dit, je valide les propos de l'État parce que c'est une manière de protéger les peuples, les pauvres. Pourquoi? Parce qu'il est inconcevable qu'en Côte d'Ivoire, un démuni ne peut pas avoir une maison. Sachant qu'il travaille, un professeur qui touche 120 000 ne peut pas avoir une maison parce qu'il va lui demander 16 mois de caution, ou bien 2 mois de caution, 2 ans de caution. Or, quand Ouattara lui dit, vos cautions maintenant là, ça va passer par nous. C'est pour vous dire aux locataires que c'est trop. Voilà. Donc, comme c'est trop, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas une banque pour pouvoir garder l'un de ces gens-là. Nous, l'État, nous sommes une garantie. On va garder l'un de ces gens-là. Donc, par mesure de sécurité, l'État veut s'accaparer la caution des gens. Parce qu'imagine, tu as mis 2 millions de caution, ta maison s'écroule. Tu as vindiqué mon état de ta maison, qui s'est ensevelie. Voilà. Mais ok, si mon âme est l'État, que ta maison s'est écroulée, même on fout de ça, il met chez l'État, l'État donne mon âme, il met pas une autre maison. Voilà. Donc ça, c'est ça que l'État est venu protéger. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on arrive à ça, si vous voulez toucher votre argent de caution, le cas contraire, dites 1 mois de caution et 1 mois d'avance, 2 mois de caution. Là, l'État va pouvoir agir dessus. C'est parce que vous faites 6 mois de caution, 2 ans de caution, encore une fois que l'État veut avoir yeux, voir clair dans l'affaire de caution. Il y a quoi dans l'affaire de caution? Il y a l'argent. Nous, l'État, on va garder cet argent-là. Voilà. Parce qu'il est admissible que quelqu'un ne peut pas être garant de l'argent de quelqu'un. Ça, c'est qu'il n'est pas une banque. Voilà. Tu n'es pas une banque, tu ne peux pas garantir mon argent. En vertu de quoi? Paye-lui ta maison, tu vas me demander 3 millions de caution. Toi, tu es qui? Toi, tu es banque, quoi? Là, tu es banque. Voilà. Donc, il y a tout ça salutaire. Ça va permettre aux propriétaires de maison de diminuer la caution. Voilà. Pour permettre aux gens d'avoir accès aux maisons. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas avoir accès aux maisons, même si tu travailles. Tu ne peux pas avoir. On te parle de 6 ans de caution. Tu fais comment? Moi, si je paye 120 000. Mais 120 000, je ne sais pas. On me dit, ouais, pour venir habiter dans ça, il doit payer 2 millions de caution. Ah, il fait comment? Moi, il fait comment? Dans l'État, c'est bien vu. Voilà. Donc, les gens, ils vont se mou. Ils vont diminuer la fin de caution. Ils vont faire ça 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Voilà. Ils sont en 10 000. Pour venir louer la maison, tu payes 210 000. Voilà. C'est-à-dire, ils sont en 10 000 avance et 140 000 la caution. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ma vidéo. Lui qui va comprendre ça, c'est ton affaire. Voilà. Maintenant, il n'y a pas opposant en Côte d'Ivoire. C'est les plaisantins. Voilà. Et tous portent string rouge. Non, les mougous ici. Voilà. Vos string, Ouattara va vous baiser pour mettre dessus. Vos faux string, vous portez pour vous faire malin pour dire non, que ouais, il y a les orpailleurs, il y a les orpailleurs, il y a les orpailleurs. Est-ce que vous voulez marcher pour dénoncer ça? Vous faites vidéo, non, il y a les orpailleurs. Mais quand il y a les orpailleurs, on a marché pour dire, Ouattara est étranger ici, Ouattara est étranger ici. On ne veut pas de ça, puis on marche, on lance masse, mot d'ordre. Tout le monde dans la rue, on ne veut pas, on crie. Ouattara n'est pas bon. Mais vous ne marchez pas, vous êtes là, non, il y a les orpailleurs ici, non, comité politique ici. Vous êtes des plaisantins, les gars. Voilà, vous êtes des guignols même. Vous êtes des string, non, vous mourrez ici. Voilà. On va vous mourir ici, mais je vous dis ça. Plaisantin comme ça, là. On est pour. Vous n'avez pas dit ce que Ouattara faisait. Voilà. On n'a pas tué Dieu, on l'a tué. Nous, on a lancé, on a rien lancé, Dieu, on a lancé. Même pas tué, on n'a pas pu prouver qu'il y a eu mort. Il y a eu mort de femmes à Bobo. Mais toujours, eux, ils parlent. Non, il y a eu mort, ok, il y a eu mort. Mais s'il y a eu mort, là, c'est pas qu'il y a prouvé. C'est pas qu'il n'a rien prouvé. Là, c'est pour dire que Ouattara nous a baisé sur toute la ligne. Ouattara nous a baisé. Donc, c'est pour ça qu'on doit le baiser aussi. Pareil aussi. Donc, organiser la manifestation. Si Ouattara tire à Pobre, non, tombe à le pouvoir ici. Boya, pied cassé, tout cela. On s'en prend. Il y a beaucoup d'hommes qui ont pied cassé. Ils sont dans la marche avec nous. Donc, Ouattara tire, bobo, on fait le fait, on va mettre sang sur lui. Ouattara coupe pépé, déjà, mais au but. Puis, on met photo, on met sur Facebook, sur YouTube, partout. Ça prend du Ouattara qui dit là. Mais on ne marche pas en disant sans élection. Donc, les plaisantins, les gars. Plaisantins, vous êtes. Plaisantins, vous y restez. Bougez pas, vous qui vous allez voir. Connerie.